the 9th of October, the Greens opened a meeting with representatives of the French presidency of the EU. Held at Montreuil Town Hall in Paris, the first public debate tackled human rights issues, sanctions, the situation in Sudan and the South Caucasus, and France's nuclear policy. Green MEPs put the questions to Jean-Pierre Jouyet, France's Europe Minister. Et c'est pour ça que je crois, et c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'aujourd'hui, face à la crise, quand même beaucoup de gens, beaucoup de responsables politiques, ils commencent à comprendre que, en fait, l'Europe est vraiment l'espace politique nécessaire pour répondre aux crises, au pluriel, car nous sommes à un carrefour des crises. Et donc, même ce gouvernement, cette présidence est obligée de s'impliquer et de proposer à un certain niveau des solutions qui passent par l'Europe. Que le président soudanais puisse ne pas être poursuivi par la Cour pénale internationale en négociant deux trucs stupides, hein, c'est-à-dire que ce serait la justice soudanaise qui examinerait le cas des deux personnes déjà inculpées, c'est-à-dire l'actuel ministre des Affaires humanitaires et un responsable d'une milice Janjaoui, et puis qu'il y ait une réforme de la justice au Soudan. Voilà. Donc, j'ai cru comprendre que la France agissait dans ce sens, c'est-à-dire demander à El-Béchir de mettre en œuvre ces deux conditions, en échange de quoi on pourrait ne pas mettre en œuvre le mandat d'arrêt. Ce serait une décision catastrophique. Als unmittelbar vor der französischen Ratspräsidentschaft bekannt wurde, dass Frankreich beabsichtigt, rund ums Mittelmeer quasi eine nukleare Offensive zivil zu starten. Also es war das erste Mal so, dass man in Brüssel öfter gehört hat, die müssen verrückt geworden sein, die Franzosen. Die spinnen in Frankreich. Iran, Nachbarland des Irak, ist sozusagen in der Dauerkrise, weil auch der Iran beabsichtigt, zivile Atomtechnik nicht nur in Ausschnitten zu nutzen, sondern beabsichtigt, den gesamten Atomkreislauf für sich aufzubauen. Die Kriegsdrohung hängt über dem Iran. Und ich glaube, dass man, wenn man solche Exportoffensiven plant, wie das in Frankreich passiert, dass man rechtfertigen muss, wie man angesichts dieser Krisen Irak und jetzt Iran, wie man auf solche Ideen kommen kann. Que l'on se pose des questions pour les pays dits dangereux, que l'on se pose des questions pour la Libye, que l'on se pose des questions pour le Pakistan. Tout ça me paraît logique, je peux le comprendre, que l'on dise que le régime algérien souffre de cela et cela. Enfin, que l'on dise l'Afrique du Nord, dans son ensemble, les Africains du Nord n'auraient pas droit à une source d'énergie plutôt qu'à une autre, ce n'est pas ma conception, je le répète. Pierre, je voudrais dire quand même que personne aujourd'hui dans le monde n'est à l'abri d'une instabilité. On le voit en Géorgie. Donc, lorsque vous vendez des centrales nucléaires, n'importe où, que ce soit en Afrique du Nord, au Brésil, en Italie, où vous voulez, parce que vraiment la France est devenue le VRP du nucléaire, on prend un risque. Et c'est là où on est profondément en divergence avec toi, Jean-Pierre, c'est lorsque tu dis qu'il n'y a pas de lien entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Et ça, ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'avec des déchets, on fait du plutonium, et avec du plutonium, on fait la bombe. I think that the debate with him was interesting, even if he didn't really tell us something substantial. And I think when we touched the question concerning nuclear, and above all, the challenge that France poses for all of us to go and sell nuclear plants everywhere in the world, notably in Northern Africa, this is when the debate became really heated. For the rest, I thought that he remained relatively calm and relatively friendly to us. Of course, he's a diplomat above all. But I also believe that this kind of method to come and have and accept a real occasion for discussion is important.